gauche peut être lu partout. C'est vraiment quelqu'un qui fait des bandes dessinées comme je pense que les bandes dessinées devraient être faites. C'est-à-dire, c'est la quintessence de la bande dessinée, à savoir que c'est d'abord l'image qui parle. 漫画を読まないようなあの芸術作品が好きだという人にも入っていけるようなそういう浸透性があるようなスタイルの漫画を描かれている、そこが違いなんじゃないかなと思います。 Ce qui distingue Jiro Taniguchi des autres auteurs de bande dessinée ou de manga, c'est son intérêt pour la personne humaine, pour les sentiments et l'idée aussi que par le dessin, par la bande dessinée, on doit pouvoir tout exprimer. Qui m'inspire par l'ambition et, la science du temps qu'il a. C'est comment exprimer un sentiment sans le souligner. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Il est ouvert, il est curieux, il est à l'écoute, il se pose mille et une questions. L'homme, pour moi, est vraiment conforme à son œuvre. Si on rentre dans cet univers, on en sort toujours un peu enrichi. Et ça, c'est un peu la magie de son travail, je pense.